Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons notre aventure sur Escape Academy, toujours en compagnie de Kiox. Bonjour. Bonjour. Let's go. Parler un petit peu, évidemment, avec Jackie de la Conta. Sandra, Hill, j'espère que vous n'avez pas été trop chamboulé par ce qui s'est passé en cours. Dis toujours que si tout se passe comme prévu, ce n'est pas vraiment un cambriolage. Mais là, y a rien qui s'est passé comme prévu. Non, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai décidé de mener ma petite enquête. Vous n'avez rien vu d'étrange là-dessous, si? À part l'effondrement qui a failli nous envoyer Hot Padres, vous voulez dire? Enfin, on dirait qu'il y a beaucoup d'événements étranges sur le campus ces derniers temps. C'est presque comme s'il y avait quelqu'un qui tirait les ficelles. Peut-être que... Ah, peu importe, inutile de vous inquiéter pour ça. En tout cas, si j'étais au ratio, je surveillerais mes arrières. Okay. Et le mec, il fait du man-spreading, hein. Regardez-moi cette... Ah merde, putain. Ah bah, il est plus là. Cette, cette posture pour lire son journal... Cartez bien les jambes. C'est le corset, il a pas trop assumé, ça. Ah, est-ce que ça a bugué? Attention. Je ne peux pas parler là, les jeunes. Nous allons devoir reporter notre réunion au sujet de l'évathlon académique que vous souhaitiez organiser. Je crois qu'avant d'entreprendre quelques actions que ce soit, il est important d'examiner le problème sous tous ses angles. Maintenant, fichez-moi le camp. Bah super, hein, très sympathique ça. Ton verre de... On peut pas le faire, je suis déçu. Tu veux lui lancer le verre dans la gueule? Exactement. Jacqueline, 4 aussi de difficulté, 40 minutes, la fusée furieuse. Jeudi 4 octobre, novembre. Oh, des élèves! C'est déjà l'heure du cours! Oh, saleté de fusée! Je ne sais plus où j'en suis. Oh, puisque vous êtes là... Regardez ce que notre illustre doyen m'a demandé de lui fabriquer cette fois-ci. Même si la tour ne suffisait pas, maintenant il veut une fusée! Autre chose à faire que travailler sur les projets stupides d'Horatio. Eh, vous êtes ici, j'ai un quota de cours à atteindre, alors... Vous allez m'aider à faire décoller ce machin dans les délais irraisonnables qu'on m'a donnés. Il ne faudrait pas découvrir, décevoir ce cher doyen qui nous observe toujours de haut, du haut de sa tour. Suivez-moi. Donc, elle n'a pas vraiment une haute opinion du doyen Windsor. Il dirait même qu'il est plus basse qu'il attire son opinion. Plus basse qu'elle attire. Il a mis le porte-clés. Réparer la fusée. All right. Let's do the... Oh, il est temps d'accomplir l'impossible. Faisons décoller le tas de ferraille d'Horatio. Voilà. Ah oui, je suis en quartier. Horatio better reimburse me for the parts that... Horatio a intérêt à me rembourser pour les pièces. Ouais, bon, pas réparer, non. Réparer, un panneau de coque et le rond de fusée. T'as, mais c'est comment il s'appelle ce jeu? Décollage. Space Team. Ah, je pensais que vous alliez parler de Keep Talking and Nobody Explodes avec tous les boutons. C'est... Voilà qui devrait me protéger des gaz d'échappement de la fusée. Comment ça? Ça conne. Pour ne pas mourir. Waouh! Mais il y a encore ces tâches là qui sont à chaque fois qu'il y a un accident en fait. Un litre d'essence, s'il vous plaît. Tâches? Ouais, les tâches tenaces. Du coup, tu peux prendre de l'essitou pour ça. L'art paisible de l'entretien des véhicules, les véhicules pour les petits malins. Oui. Un cadenas à 5 chiffres. Mot de passe de l'atelier, mesurez mieux. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai un aileron inachevé. De la merde. Des casiers. De la cajou. Un cadenas avec 5 lettres. Un vinyle de Charlie. Des lunettes avec des flèches vers le haut et vers le bas. Cette Liz a du potentiel, mais elle est aussi difficile à gérer. Devoir de Rick T. Il n'a pas vraiment essayé. Ouais, je lui ai piqué toutes ses pièces. Fait, faut que tu aies les alertes, mais j'y suis pour rien, moi. Que je fasse. Pas à faire, donc. Ça marche, des bisous, bon appétit. Ah, tu viens de mettre un vinyle au pif. Bah, un vinyle qui avait dans un casier, donc ouais, j'imagine. Et du coup, ouais. Ça a fait quoi? Ah.
Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Mais c'est pas... Je voyais, on va dire. Alors, ça comme ça, ça comme ça. Qu'est-ce qu'il Lui, il fait? vient là parce qu'il y a les deux trucs qui sont là. J'imagine. Lui, il va se Ah. caler ici. Bah tu sais que tu vas devoir déplacer tout ce merdier là. Ouais, tout ça dans le mauvais sens. Super, allez, on recommence. Et les deux... Ah oui d'accord, ouais. Bah, c'est parti pour tout faire une rotation de taquin, ouais. Bon bah du coup je te laisse faire, hein. Moi je... Avoir du Attention feu dans les les... carrés. Les yeux, attention les yeux. Ah oui, bah ça c'est ok. C'est bon, ça j'ai. Et sont où les lunettes là? Au bas, au bas. Bon, on va retenir qui est en haut. 1, 2, non, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Voilà. Comment ça? Et ta mère alors? Ok. 1, 3, 5. Pas compris qu'est-ce que j'ai mal fait du coup. Du coup lui il est en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, bas, bas. Ok. Et en haut, en bas, en haut, bas, en haut, bas, bas. J'inverse tout? Je suis teubé à ce point. Attention, les yeux, c'est forcément ça, les yeux. T'as fait ta rotation ou pas? Bah oui, mais ça met 3 siècles. Ah, c'est bon, tiens. Voilà. Avec des glaçons pour un bon frisson. Voilà. Il y a Elvis Presley, Oh yeah, Big tu sais à quoi Bob. tu me fais penser? Bah oui, comme ça, justement. Un grand verre d'eau avec des glaçons et un bon frisson. Elvis Presley, un grand verre d'eau. Bah c'est Elvis du coup, le mot de passe. Ah, du mot de passe à 5 lettres. Ah ouais, c'est ça. N. Il y a quand même un effort de traduction hein, dans tout ce qui est escape. Prendre un À grand verre mettre. d'eau. Ah bah ça c'est pour mesurer cette merde. Mesurer mieux. Bah vas-y, on va mesurer mieux là. Qu'est-ce qu'on a là? Enfin, on a de la merde. Mais si t'as le plan aussi. Disons tu me files Ouais. le plan. Vas-y, attends. Tiens, le plan magique. Un plan cryptique. Ah, et donc on a des lettres. Ça fait 8 Très bien. mètres. Ou 8, je sais pas quoi. C'est le U. Et le U dans. Pour moi, c'est qu'on sait pas à quoi ça sert. Et du coup, j'arrive pas à démarrer cette merde. Qu'est-ce que je fais de mal d'après toi? C'est parce que t'as pas la pièce qu'il faut, que j'ai moi du coup. Comment ça tape à la pièce? Ah, pas. Parce que là, tu sais, attention les yeux, et du coup, j'ai regardé le casque qui était là, la visière. Tu Pas les yeux, non? vois? Ah. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Peut-être qu'il faut un. J'ai fait. Attends, donc t'as fait haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas. Ça marche pas. C'est cela. Ah, mais parce qu'il faut faire dans l'autre sens, parce que du coup c'est comme si tu le portais. Ah, baba, du coup. Bas, bas, Ah. haut, Bas. bas, haut, bas, haut. Ah, il est malin. Fait. Bah, je sais pas, je coupe un truc que j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe. Ok. Écoute, t'as un aileron de fusée. C'est ça. Tu vas peut-être utiliser avec le maître maintenant ou autre comme ça. Ah oui, parce qu'il y a... Mais non, il y a un litre d'essence. Ah oui, ça c'est pour le pognon. C'est le pognon que t'as... J'ai vu que t'avais du pognon dans ton inventaire. Du coup, Oui. on sait pas combien ça coûte, un litre d'essence. Si. Ok. Marquez-le. 6 litres égale 220... 2,26 €. Donc 6 litres égale 2,26. Donc il faut diviser par 6, 2,26. 2,26 divisé par 6. 6 fois 3, on retient du coup 4. 46, 6 fois... 6 fois 8, 48. Ça marche pas.
Non mais parce qu'il faut retirer 40 du coup, pour les frais de service. Ah, faut retirer 40 centimes pour les frais de service? Ouais. Donc du coup ça fait 1,86€. J'utilise la calculatrice parce que j'ai vraiment la flemme de calculer là. 1,86€, ça fait 6. Non, attends, regarde, ça fait 6. C'est bon, j'ai le chiffre. 6,2, 0,62. Non, c'est pas ça. Ben, t'es à. T'as le double en fait. Bon, ça le double. Mais non, ça fait 62 centimes. Tu peux pas mettre 62. Ah, ça a une pièce. Donc je mets 10, 10, 10 et 1 parce que c'est 31 du coup. Ok, bon, c'est bien. J'ai des bougies d'allumage. J'ai pas le permis donc je sais pas à quoi ça sert. L'escapade revue et corrigée. Pas de ceinture de sécurité qui vous ralentisse. Avec des pièces thermocodex. La couleur indique jusqu'où la température peut monter. Peut fondre s'il fait un peu chaud. Ah bah l'avant peut fondre s'il fait un peu chaud. Il peut aller dans le soleil. Il y a que les phares qui peuvent aller dans le soleil. C'est quoi cette voiture en carton? On va voir le capot là. Toute la graisse doit être stockée dans la fosse à graisse. Y compris pour la graisse pour cheveux. Comment ça la graisse pour cheveux? Les cheveux c'est pas déjà assez graisseux de base. Oh, tout conduire la voiture. Ah mais c'est en feu. Il sera peut-être temps de faire le plein. Ah oui merde, ah oui parce que ça prend feu, pardon. Ah non, j'ai ouvert le garage. Ah non, il y a de la lumière partout en même temps. Il y a un code. Ah oui, il y a un code sur le capot. Ah 20, 35, 5. 20 gauche, 35 droite, 5 gauche. Attends. 20 gauche, 35 droite. Je sais pas si c'est dans cette droite ou l'autre droite. Et 5 droite, mais Ouais, c'est ça. 15. Une ou deux bougies d'allumage. Ah, tes bougies d'allumage là. Pip ou pip. Ah, donc il faut le régler suivant ça. Bleu, rouge, bleu, ciel, t'inverses du coup le vert et le jaune. Pourquoi t'as inversé le... Il faut le faire dans cet ordre-là. Comme ça, non? Ah, je sais pas, pourquoi tu l'as pas fait dans l'autre sens? Ah non, c'était plus ou moins chaud, mais je pense que... Le fond, regarde là, c'est très chaud. Et où tu arrives à voir des chaleurs, toi? Bah, c'est plus ou moins marqué sur les zones qui sont cramées, en fait. Ah, oui. Donc, du coup, là, c'est bleu. En fonction de la cramitude. Allez, je s'en va, Jacqueline! Faut moi conduire. Non, laisse-moi. Ah d'accord, non, je peux pas conduire. Laisse-moi conduire. Qu'est-ce que t'en fais? La voiture est sortie du garage et maintenant? Maintenant, je vais la conduire, je vais me casser. Fermé avec une clé moyenne. Oh! C'est une clé. Non, une fausse graisse de moteur. You should put this stuff in your hair. C'est pour les cheveux. Et du coup. Il faudrait mettre ça sur ses cheveux. Pour des cheveux bien graisseux. Et pas agréable du coup. Oui, on a toujours ce cadenas à 5 chiffres qui est du coup les mesures de Jackie là. Mais le truc c'est qu'on a des lettres et on sait pas à quoi elles correspondent. À mieux. À mieux. Mesurer mieux. Ah bah mesurer mieux, du coup tu mesures mieux, c'est tout. Ah, bien joué. Donc il faut le M, du coup c'est la verticale là, 7. Yep. Après le I c'est pas du tout ça, mais ok, ça c'est le X. Ah c'est l'autre, ok. Ça c'est combien, c'était? Donc c'est 7, 6, le X c'est 3. C'était, ah, et il manque le E, donc qui est le tout petit en bas à gauche. Donc 2. Et le U qui est 8. 7, 6, 2, 8, 3. 7, 6, 2, 8, 3. Ouais, je sais pas c'est quoi. Enfin, pas vous couper, okay. Un kit de soudure. C'est dur. Je dirais que ça sert à mesurer les clés. Ah, bah la fameuse clé, il faut une clé moyenne. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des clés dans le coin? Ah, j'ai un mètre. Ça paraît fabriquer des clés, mais il n'y a pas de clé vierge. Donc, il faut des clés vierges déjà. Bah celle-là ouais, oui.
Une clé, en effet. Oui, mais non. Oui, ok. Moi, bon, j'ai un kit de soudure si jamais, et de la graisse pour les cheveux. On n'a pas le droit d'avoir un truc magique. Genre des clés. Genre des clés. Les clés de la voiture, peut-être. Du coup, t'as déplacé la voiture, mais ça servait à quelque chose hein? Pour se faire chier. Ben, pour ouvrir le coffre, peut-être. Oui, enfin, ah oui. Et il faut une clé, du coup, pour ouvrir le coffre. Ouais, c'est ça. Et du coup, clé, il nous manque juste du coup le démarrage de cette énigme de clé. Ah, c'est quoi ça? Oula, le panneau qui tombe tout seul. Bah bravo. Allez, on soude! Le moyen. Le doyen n'a pas dit que ça devait être beau. Ah. En effet, c'est pas beau, c'est bien dégueulasse. Bravo, bravo! C'est comme neuf ou presque. Oui. Ça sent bon. Non, y'a rien. Y'a pas de clé. Du coup, t'as trouvé ta clé ou pas? Mais non, je cherche de partout, mais. Jacqueline, elle sert à quelque chose ou pas? Il mesure. Alors, attendez. Attendez, si je mesure bien, c'est que c'est pas bon. Ah, donc du coup, il manque le boîtier de vitesse qui est pas réparé. C'est tout. Bah la clé elle doit... Mais la graisse doit permettre de sortir quelque chose de la clé. Pourquoi il me parlait des cheveux? Tu mets dans les cheveux de l'autre là. Ah c'est quoi ça? Non, c'est pas faux. Elle a l'air d'aimer la montagne, bah soit. Un peu où c'était l'atelier des clés. Tu peux lui mettre des restes d'un cheveu l'autre là. Elle a des Tiens, mais toi, prends-toi cette graisse à cheveux. Elle est pas trop aimée, je crois. Il y a un sandwich. C'est où déjà l'atelier à clé? Ah là. Les trucs qu'on avait libérés, délivrés ici. Donc toi, t'as rien dans ton inventaire. Moi, j'ai juste de la graisse de moteur et toi, t'as rien. Moi, j'avais un mètre. La graisse et... de moteur. Il doit y avoir un truc à libérer, genre c'est bloqué, il faut le graisser ou. À louper encore. Sandy, Kim. Ah oui, il y avait. Ça, par hasard. Mais ça, j'ai ouvert parce que du coup, pour l'autre, tout à droite, il y avait le vinyle. Et du coup, le vinyle, c'était le truc. Ouais, mais là, parce que c'est écrit Kim, Rick, Liz, et après, t'as des mémos. Devoir de Liz N, c'est drôlement détaillé. Compris pour cheveux. C'est ça, je l'ai récupéré dans la fosse, du coup. Ouais. Et je sais pas trop quoi en faire. Ah, c'est quoi ça? Non, c'est un plan d'aileron. Ça, oui, d'accord, tu l'as fait. Tu peux pas l'utiliser pour ouvrir le truc directement? Pour ouvrir quoi? Et le coffre. Ah non, bah, il faut une clé. Une clé de taille moyenne, ça marquait. De taille moyenne? Bah, c'est pour ça qu'il faudra la fabriquer après avec. Qu'est-ce que la moyenne? Parce que du coup c'est ici où il faudra... Il n'y a pas de clé. Mais tu peux mettre le plan ici là? Hein? Le plan, tu peux pas le mettre là? Quel plan? Mais ça c'était l'autre, on s'en fout tu vois. Non, je pense pas. C'est celui des mesures. Allez, j'ai appuyé sur tout mais... Pour moi c'est d'abord il faut fabriquer une clé ici avec la clé... Enfin, il faut la mesurer déjà. Quelle clé est une clé moyenne? Ouais, toi tu peux pas utiliser ton mètre justement pour mesurer c'est quoi une clé moyenne? Je peux pas le faire. Bon, il faut une clé vierge d'abord, enfin, je sais pas. C'est quoi le coca qu'il y a dans le truc? Il m'a beaucoup trop de coca, on s'en fout. Il m'a piqué ma graisse de moteur. C'est toi qui me l'ai donné là. Atelier de métallurgie. C'est de la folie. Eh bien, c'était bien.
Et une belle fin de jeu. Félicitations. Atelier métallurgique. Que c'est pas avec ça? Non. C'est pas que le sandwich, non. Il n'y a pas quelque chose de caché quelque part. Non. Il reste des tonnes d'erreurs, on va se calmer tout de suite. On peut grimper ça. Reimburse me for the parts this time. Ah. Ah! Ah voilà. Perfect. Oh okay. Bah ça nous avance pas plus, mais à quoi que si. Désolé si c'était si ça fait. Mais... Ça n'était pas censé arriver. Et pointé pile. Ah! Oh bah adieu. On aurait essayé mais elle est morte. Ok, donc du coup maintenant on a accès à un autre truc. Maintenant on se casse du coup. On quitte la scène de meurtre et c'est bon. La gâte de l'évasion, la ceinture de sécurité, ça ne sert à rien, déclare un expert en évasion couvert de verre brisé. Moult ah bah, clé vierge, du coup. Ça met avec une clé moyenne. Oui, bah c'est bon, on l'avait vu. Le prix, petit body d'ingénierie. Ah, une clé C. Ah, on la récupère tous les deux. Et moi, après, ah non, on l'a dupliqué. On l'a dupliqué, super. On apprend à dupliquer des objets ici. De duplication. Je peux bon, faire bah, on va bah, faire, ouais. Faire la clé. Hein. Une clé E. Ah. C, E. Pas d'autre clé. Pourquoi non? Mais qu'est-ce qu'une clé moyenne du coup? Bah, je sais pas, mais on a CLE donc à partir de ça. Ah, voilà. Ah oui, ok, très bien. Il faut pas que tu utilises une. Je sais pas, j'ai apparemment CLE sous la loupe. Bon, après, les clés vierges, je peux les utiliser sur le truc. J'ai plus qu'à mesurer. Les vierges. Attends, mais du coup, c'est quel le truc là, non? Ah, inspecter. Donc là, oui, on peut forer à. Non, t'as mis la clé dans la machine et après on fore en fonction des profondeurs. Ah, mais c'est quel plan pour la clé qu'il faut justement? Moi, j'ai la clé C aussi. Donc, Non, mais oui, mais t'as le plan pour les. C'est pas le plan pour la clé ça? Ah, non, non, mais bah, c'était ce que t'avais vu toi en zoom, zoom, zoomant là-dedans. Mais je comprends pas, en fait, ça a une moyenne des trois en fait ou. Ah, alors attends, parce que là ça donne quoi? On dirait que ça sert à mesurer. Mais elles sont différentes ou pas? Parce que je vois même pas de ouais, différence. Ouais, elles sont différentes, ouais. Alors là, deux... c'est la L. Ah oui, L. Ah, ok, alors attends. Attends, du coup c'est là, c'est la. 2, 4, 2, 3, 5. Le L. Donc 3, 3, 5. 5, 3, 3, 2. 3, 3, 2. Et le E c'est 1, 3, 4, 3, 5. 1, 4. 1, 3, 4, 3, 5. Et donc, du coup, je fais une moyenne de ça? Je pense, ouais. Du coup, le quatrième, ça fait 3. Bah, ça fait 6, 12. Et après, il faut diviser par 3. C'est ça, donc 3, 9, 4, 9 et 3. Et... Ah non, c'est un 5, c'est merde, 12. Donc, du coup, ça fait 3, 2, 4, 3, 3, 4. 2, 4, 3, 3, 4. Ah, t'avais dit, oui, 6, ok. 2, 2, 4, 3, 3, 4. C'est... Ça apporte l'ordre. Ouais. Voilà. Et... Donc là, t'as la clé? Non, je sais pas comment je la récupère. Ah bah c'est... C'est personnalisé. Quelqu'un soit le tour des bureaux. Hop. Yeah. Wow. Et un crochet de remorquage. Et. Et on va remorquer les fusées. Wow.
Vas-y, c'est le temps de conduire. Ouais. Non, si c'est aussi simple que ça, franchement. Ah merde, il faut récupérer le truc de soudage. Non, on s'en fout. Non, faut juste Ah, relancer du coup. maintenant on peut la relancer la fusée. Boum. Bon, par contre, l'outil est morte, mais on s'en fout un peu. Mais alors, attends, pourquoi on lance une fusée en fait? Quel est l'intérêt de lancer une fusée à vide? Que Jacqueline soit morte et elle peut même pas en profiter et que le doyen il se touche la nouille? Je ne comprends pas. Ben, parce que le doyen il voulait une fusée. Il voulait un burger. Il voulait peut-être voir. Donner une fusée et un burger. Vous avez sauvé le doyen Windsor, ah bon? On va dire que c'était du bon boulot. Trouver le prix de l'essence, ouvrir la serrure du bouchon de radiateur de la voiture, la bougie et une fois qu'on a conduit la voiture, on peut accéder à la fosse pour graisser les rouages de la fusée. Et après, on a le tourne-disque qui permet d'obtenir le sac de Charlie et ainsi accéder à l'atelier en mesurant des trucs. On ouvre le coude de soudure, on soude le panneau avec les lunettes dans le bon sens, évidemment. On arrive à se faire l'aileron de la fusée. On appuie sur le bouton, c'est génial. Mais attention, la plateforme va s'effondrer. Jacqueline s'électrocute. C'est pas grave. On récupère les clés. On mesure une clé moyenne. On débloque assez un crochet dans le marquage. On tire le truc et tout se remet en place comme par magie. Professeur Monstrong, vous allez bien? Oh, mais qu'est-ce que... Oh! Oh! Zut, elle est complètement dans les vapes. Mais qu'est-ce que... Oh! Oh, la fusée! Elle est orientée pile sur la tour, il faut qu'on... Tout va bien, professeur, on s'en est occupé, la fusée a décollé sans accroc. Sans accroc, c'est peut-être un peu exagéré, Sandy. En tout cas, elle est partie vers le haut. Oh, je lui ai dit que son projet était trop agressif, mais il a insisté. À force de faire des âneries, il va finir par y laisser sa peau un de ces jours. Et je parie que ce n'est pas la dernière fois que je me fais électriser à cause de lui. Bon, moi, je peux me remettre au travail, si vous voulez bien m'excuser. Voilà. Qu'en dis-tu? Le cours d'ingénierie n'était déjà pas terrible à la base, mais là... Je n'arrive pas à croire que cette chute ait été un accident. Ça me semble extrêmement louche. Je suis content de pouvoir aider, mais il faut qu'on résolve cette affaire le plus vite possible. On va y arriver, Sandy. Notre première mission en équipe ne sera pas gâchée par la mort du doyen. Le doyen? Du doyen. Un doyen. Du doyen. Il n'y aura pas de mort de doyen, mais tout ça sera dans le prochain épisode de Escape Academy. Des bisous à la VOD. Sur Twitch, on continue. Au revoir.